Dans quelques instants, sur la scène, l'animateur Louis-José Houde sera ici maintenant. Et pendant que vous brandissez les drapeaux, juste vous rappeler qu'au centre, complètement, il y a une aire de sécurité. Donc, si vous avez à quitter rapidement, au centre, vous avez au centre courant jusqu'à Sainte-Catherine. Du côté gauche ici, il y a des policiers. Pour ceux et celles qui n'étaient pas ici tout à l'heure, on a un couloir de sécurité de ce côté-là. Et juste derrière, les estrades de la Fête nationale également. Alors, prenez ça en note. Je reviens dans quelques instants avec la suite des choses. Le décompte est officiellement commencé dans un peu plus de 15 minutes. Spectacle va commencer. Jusqu'au début du spectacle, de garder les drapeaux dans le ciel, vers le ciel, et je vous entends crier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poumons. Attention, à mon signal, le spectacle commence dans moins d'une minute. Demain, c'est ce qu'on va voir. 3, 2, 1, c'est parti, vite. À Montréal, en collaboration avec la Coop Fédérée, vous souhaite à tous bon spectacle.
le grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal. C'est beau comme ça, avec Yann Perrault, Brigitte Bois-Joli, les sœurs Boulay, Corias, Jean-Pierre Ferland, Bois, Laurent Fadon, Natacha Canapé-Montalon, Samia et Éric Lacroix. Sac de cuir à l'épaule, dangereux en ce pays. J'ai besoin de repos, d'un café, d'un bain chaud, d'un lit bordé de tremblants, d'un promis, de l'itinérant. En chemin, la grâce est de mise, et c'est pourquoi je m'en déguise, destiné sans aucun doute. Rien dans les poches de ma main. Au gré de la saison, on se parlera. Au chemin de ma gauche, à mon main. La carte, c'est pas l'horizon. On se parlera. Partout, où la route te mène, où quelqu'un t'attend. On se parlera. Partout, où la route te mène, où quelqu'un t'attend. Je suis un passager clandestin à qui les coquilles parlent en réclamant. Pense mal dans la blague, je puis le tout dans mon sac. Pardonneur, menteur, l'infanti, je cavale sans répit. C'est un niveau, mais brisé ses minards. C'est pour pas la richesse et la mort. Chaque jour, je suis mes souliers. Sur le dos, la liberté. Et ce parlement, rien n'a les poches de promesse. Au nez des saisons, ce parlement, au chemin de ma gauche, la volée. La patte, c'est à l'horizon. Ce parlement, partout où la route te mène, le quelqu'un t'attendra. Où ce parlement, partout où la route te mène. Thank you.
José Houd. Il a mouillé 777 fois. Alors, j'aime croire que le beau temps de ce soir est l'œuvre de M. Angélil, qui est déjà en train de gérer le ciel. On le salue. Et puis, si on est tous réunis ici ce soir, c'est parce qu'à la base, quelqu'un a inventé ça, la fête nationale. C'est pas arrivé de même. Comprends-tu? C'est pas 3-4 troubadours qui ont fait « Hey, on se branche ça un peu, puis pif paf, on était 50 000 dans le parc. » C'est pas ça qui est arrivé. Quelqu'un a créé la fête nationale. Mais qui l'a créé? Mike Ward et Guy Nantel? Non. Trompez-vous. C'est un monsieur Ludger Duvernay qui a eu l'idée de la fête. Déjà qu'on soit 100 000 réunis ici ce soir à cause d'un Ludger, je trouve ça quand même admirable. Je connais pas un autre Ludger qui a eu une telle influence. Donc une fête créée par un Ludger, animée par un Louis-José, on va se le dire, c'est une petite soirée bizarre qu'on a là, hein? Et Ludger Duvernay, donc, a eu l'idée de la fête lors d'un banquet patriotique en 1834. Et je sais pas vous autres, mais moi, un banquet en 1834, je veux être là. Parce que c'est sûr que c'est gras, puis c'est festif, puis ça se roule dans l'excès, puis on mange un peu de viande humaine par erreur. Le bon vieux temps. Et Ludger proposa à la tablée de la table que le 24 juin devienne la fête officielle des Canadiens français, la Saint-Jean-Baptiste. Ce que tout le monde accepta à la fin du repas, alors inconscient la face dans son assiette, dû à l'alcool fabriqué à l'époque avec une pelle et un baril. La fête s'est appelée la Saint-Jean-Baptiste officiellement jusqu'en 1977, année où René Lévesque changea le nom pour fête nationale. En prévision de notre éventuelle nationalité. Bon, à ce niveau-là, il y a deux ou trois imprévus, mais on va y arriver. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se réunir pour célébrer le Québec. Et puis c'est la deuxième fois qu'on le fait ici à la place des festivals. Et j'en parlais avec le maire de Montréal, là, Piqué Souban. J'écoute bien Piqué. C'est belle fun, la place des festivals. Le problème, c'est de se rendre. D'ailleurs, c'est pour ça que le spectacle de ce soir joue à la télé seulement demain. C'est pour laisser le temps au son et à l'image de sortir du centre-ville. Bonne chance. Et puis, pour moi, le 23-24 juin, c'est toujours la période de l'année où je prends un moment pour me dire que je suis chanceux d'être né ici, de vivre ici. C'est pas si... C'est pas si compliqué que ça, vivre ici, là, quand on regarde ce qui se passe ailleurs. T'sais, ici, on a l'assurance maladie, on a l'assurance chômage, on a l'assurance de trouver un Tim Hortons à une place où personne n'en voulait vraiment. Mais bon, c'est pas parfait. Pas parfait non plus. C'est pas parfait au Québec. J'en parlais avec le premier ministre du Québec, là, Éric Salvaille. J'écoute bien Salvaille. C'est pas parfait, lui, ici. Ah, il est là, évidemment. Oui, il est là. Il le pas. Ah, il est là. Éric, une soirée à la maison. Donc, on fait ça? Ah, il est là! Éric, lève-toi, là! Bon!
Le pire! Sincèrement, de mon point de vue, ici, t'as vraiment l'air du premier ministre du Québec, tout ça. Et Pénélope, la première dame. C'est ça qui se passe, c'est ça? On a fait. Donc, il faut se dire, par exemple, évidemment que c'est pas parfait vivre ici. Il y a des injustices au Québec. Il y a des inégalités au Québec. Sur l'autoroute 15, il y a des publicités d'un restaurant de poutine qui disent « Tape-toi une grosse ». On a encore du chemin à faire. Je pense que ce soir, il faut quand même prendre le temps de se dire qu'on est chanceux de vivre ici et que notre gazon n'est pas moins vert que celui du voisin. On dit toujours ça que notre gazon est plus vert chez le voisin. Notre gazon ici ce soir, il est pas nombreux. Il n'est pas moins vert que celui de n'importe qui. Ici, je me fie à certaines effluves en avant, il est d'excellente qualité. Ce soir, vous avez, que vous soyez sur le gazon ou sur le béton, vous avez une mission, c'est de ne pas être le gars malade à Saint-Jean. OK? Toujours un gars qui renvoie. Soyez pas le gars malade à Saint-Jean. Et notre mission à nous, c'est que vous passiez une excellente soirée. Tout le monde, devant, sur les côtés, derrière jusqu'au dernier gars. Parce qu'il y a un dernier gars à cette foule-là. Je ne le vois pas, mais le dernier gars, c'est à toi que je parle. Dernier gars, il y a un dernier gars, OK? La foule finit, maintenant, sur Sainte-Catherine, le dos aux barrières, il y a un dernier gars. Je dis dernier gars parce que c'est pas une dernière fille. Une fille, ça reste pas derrière, ça a une stratégie, ça se faufile, ça va quelque part. Ça va quelque part. Mais il y a un dernier gars. Un dernier gars qui se demande, je reste-tu, je reste-tu pas? Reste donc, dernier gars. Reste, dernier gars, parce que tu vas voir que ce soir, c'est bon comme on s'aime. La première fille au dernier gars, je vous souhaite une excellente soirée. Voici Yann Perron. Mesdames, Mesdemoiselles, une grosse main d'applaudissements pour nous joindre de nous.